du jour. Tout de suite. Oui, absolument. Oh, du Jésus. Chers amis, mon héroïne du jour est peut-être une héroïne en voie de disparition. Oui, de disparition, et c'est grave. Mon héroïne, c'est la pelle. Attention, quand je dis la pelle, je ne parle pas de l'outil dont j'aimerais me servir pour mettre un bon coup à Nagui. Non, pas celle-là. Je parle de la pelle, de la galoche, du patin, de la quiche, de la ventouse. Eh bien, elle se pratiquerait de moins en moins, Nagui. Alors, elle se pratique de façon plus rare chez les vieux couples, ok. Mais là où c'est plus étonnant, c'est que la pelle disparaît aussi chez les jeunes. Pourtant, il paraît que la pelle, qu'on appelle pudiquement le baiser appuyé, apporte plein de bonnes choses. Voilà. Oui, Nagui, ça apporte des boutons de fièvre, ok. Mais au-delà de vos pratiques sordides avec vos partenaires multiples, le roulage de pelle libérerait ocytocine et testostérone. Ocytocine, l'hormone de l'attachement, et la testo, celle du désir. Les couples qui ne se frenchkissent plus sont sur une voie de garage. Et au-delà des hormones, ça provoque tellement de sensations géniales, ce tango des langues. Le contact doux des lèvres qui se cherchent, s'entrechoquent et se mordillent, puis enfin s'ouvre, signal définitif que le télescopage est imminent. Et là, on s'applique, les amis, on s'applique, les règles sont précises. On virevolte, on jauge, on apprécie, on hésite un instant, on se reprend, les langues s'agrippent. Et hop, c'est parti! On roule, on roule, on roule, on roule, on roule. Toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, sinon c'est plus de la galoche, c'est du bras de fer. Un peu de souplesse, les amis, un peu de souplesse. Quand ça résiste, on risque l'entorse, voire le claquage. Allez, on s'applique, on roule, on roule, on roule. On recule la tête. 1, 2, 3, 4, on respire. 5, 6, 7, 8, on souffle. Et c'est reparti. On roule, on roule, on roule. Stop ! On se voit poil. Ça, c'est pour la maîtrise technique du dossier. Après, il y a tout ce qui relève de l'émotionnel. Quand les deux corps en feu n'en pouvaient plus, se tortillent de façon compulsive alors que leurs deux bouches incandescentes fusionnent, l'humain laisse place à la bête. Les hanches se mettent à trembler, les bassins ondulent, les orteils se cabrent, les cœurs s'emballent, ça sent le fait d'hiver. Oh la vache, je suis chaud. Et puis bien sûr, évidemment, il y a, grâce à l'appel, la communion ultime du partage. Quand dans la bouche de l'autre on sent une résistance et qu'au final se libère dans la dent creuse de l'être aimé un reste de pizza ou le reliquat d'un croissant oublié, tous les sens se mobilisent et c'est la foire au sens exacerbé. On appelle ça la galoche 4 fromages ou le patin viennois. Excitation et fringale se bousculent, on ne sait plus où l'on est. Vache, Nagui, je suis en feu. Bref, suite à cette démonstration, vous serez bien d'accord avec moi, un retour en fanfare de la galoche serait une excellente nouvelle pour le bonheur universel de tous les peuples. C'est donc fort logiquement qu'aujourd'hui, mon héroïne du jour, c'est l'appel et son inimitable et gourmand roulage. Merci, Daniel.